Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy Angel. Alors, le 9e conseil pour exceller en 2019. 9e conseil, c'est d'être le meilleur. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Oui, sois le meilleur. C'est fini, ça, être médiocre. Non! Sois le meilleur, ne sois pas médiocre. Laisse la médiocrité pour les autres. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu touches, sois le meilleur dans ça. Sois le meilleur. Là où tu es, sois le meilleur. Dans l'art, sois le meilleur. Dans la politique, dans le sport, dans les écritures, dans la lettre. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. C'est important. Domine ton secteur. C'est très important. Sois le meilleur des salariés, sois le meilleur des entrepreneurs, sois le meilleur des gardiens, sois juste le meilleur. On doit apprendre, nous francophones, surtout dans la francophonie, les gens qui parlent français, de viser la première place. Je répète, nous les francophones, on doit apprendre à viser la première place, toujours la première place. Vous savez, moi quand j'étais à l'école, il y avait justement ces fameux professeurs qui nous disaient « Ne t'inquiète pas, Angel, l'important c'est de participer. » Pardon ? Je ne suis pas là pour participer, je suis là pour gagner, je suis là pour être le premier. Je ne suis pas là pour participer. L'important, ce n'est pas de participer dans la vie, l'important, c'est d'être excellent dans ce que tu fais présentement, d'être meilleur dans ce que tu fais présentement. Ce n'est pas juste participer. Je suis venu sur la terre juste pour participer. Non, je suis venu sur la terre pour être le meilleur dans un domaine. Sois le meilleur. Décide cette année d'être le meilleur dans tout ce que tu fais. Sois le meilleur, deviens la référence dans ce que tu fais. Même si tu es un employé, deviens le meilleur des employés. Tu es serveur, deviens le meilleur des serveurs. Tu es gardien, tu es conducteur, tu es entrepreneur, deviens le meilleur dans tout ce que tu fais. 2019, si tu veux exceller, mets dans ta tête, je ne vise pas la deuxième place. Non, mets dans ta tête que je ne vise pas la deuxième place. Je vise l'excellence, deviens meilleur. Vous connaissez toute cette expression. Vise le soleil, vise la lune. Si par erreur, tu pourras tomber sur une étoile. Mais l'étoile, elle n'est pas petite, hein? Elle est grande. Vise l'excellence. Décide. Alors, il y a trois dimensions de ta vie sur lesquelles tu dois être meilleur. Déjà physiquement, dans ton physique. Décide de faire plus de sport, décide de mieux manger. Moi, j'ai pris la décision en 2019 de le faire. Pendant longtemps, oui, j'ai pris la décision de le faire en 2019. Décide de mieux manger, décide. Prends cette décision-là. Ça, c'est le premier aspect de ta vie que tu dois prendre en compte. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes qui achètent des inscriptions au gym et vont seulement une fois par année. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Non, tu ne fais pas partie de ces personnes. Cette année, tu vas prendre la décision de travailler plus, d'être le meilleur. Deuxièmement, sois le meilleur mentalement. Je vous ai déjà dit que la vie, c'est 80% le mental et 20% d'habileté. Je répète, la vie, c'est 80% entre les deux oreilles et 20% d'habileté. Les gens qui font n'importe quoi, les gens qui abandonnent, les gens qui font des bêtises, c'est parce qu'ils ont perdu le combat dans la tête. Alors, décide d'être le meilleur. Décide d'être meilleur tous les jours dans la tête. Troisième aspect, c'est la spiritualité. Décide d'être meilleur. L'énergie que tu dégages, les gens qui sont autour de toi, ils doivent se sentir bien. Ils ne sont pas ce genre de personnes où dès que tu arrives dans une salle, automatiquement tout le monde veut fuir. Tout le monde te fuit. Pourquoi? Parce que tu es négatif. Non, tu dois améliorer ça parce que l'être humain est toujours à la recherche de quelque chose qui est plus grand que lui. Toujours. Sois le meilleur. Décide d'être meilleur dans tout ce que tu fais. Décide d'être meilleur dans tout ce que tu fais. Alors, c'était le 9e conseil. Si je veux exceller en 2019, sois le meilleur. C'est très important. Alors, c'était ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo.